Mes chers compatriotes mauriciens, bonjour. Comment je tout connais, Roshi Badin fait une ferme en allégation très très grave contre Pravin Jagnat concernant une portion de terrain dont une transaction financière de 20 millions de roupies fait une ferme à l'étranger à Londres. Aussi question, mais qui te fait, qui fait un bout dans l'Angleterre dans cette terrain de mettre nos deux enfants miniers hein? Qui fait casser le pays dans l'Angleterre qu'au Paris qu'il vendait ici? Qui fait? Moi de mon côté, je fais une ferme de recherche et je fais une trouve une chose très troublante qui me met dans cette connaissance. Mais avant ça, j'ai envie de me prendre une jacna, un sens, une opportunité pour lui expliquer lui-même lors sa transaction de 20 millions de roupies là, concernant sa terrain là au peuple. Qui fait sa transaction là, il fait à Londres et non pas à Maurice. Qu'est-ce que ça leur en a sorti? Qui se source? Et qui connexion ça leur en a énorme avec M. Govinden en Angleterre? Est-ce que ça va un paiement qui bien fait à l'état un terrain? Taxe à Maurice, est-ce qu'il vient payer? Le peuple en vie connaît. Est-ce que ça leur en a? C'est un argent propre ça? Mal propre ça? C'est quoi? Est-ce qu'il y a énorme un élément de blanchissement d'argent là-dedans ou ça fait non? Tout ça, c'est une question là. Le peuple, il en connaît. Et moi ici, mon en connaît. Ça, nous invite toi pour venir répondre ça publiquement. Et ça, c'est dans l'intérêt du peuple. Moi, je envisage avec un team légal qui peut travailler ensemble avec moi. Pour rendre un case, un private prosecution contre toi, contre toute ma personne concernée, et même en Angleterre, contre M. Govinden. Là, je peux adresser moi à la tête de ICAC. Le peuple, il a envie qu'on ait. Quand l'autorité anglaise, il demande un renseignement dans ce dossier-là. Qui fait ça dessus là pendant tout ça des temps-là, pécor, il y a été dans un petit bois. Le peuple, il a envie qu'on ait. Est-ce qu'il se appelle Pravin Jagnat pour venir donner au moins un statement, une explication à ICAC? Nous tous, le peuple, il contribue à ce la paix. Nous tous participons là-dedans. Il paraît, quand il s'agit d'un membre du gouvernement, je peine une volonté pour agir et réagir à cela. Si tu es aussi sincère comme tu prétends qu'il te fait un travail formidable, moi, je peux demander toi, retire ce qui nous est dans la tête de ICAC maintenant et remplace-le par quelqu'un intègre. Comment? Un ex-juge de la Cour suprême. Et pourquoi pas Paul Lam Chang Ling?